Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Scrap Mécanique. Donc pour cette première vidéo Scrap Mécanique, je vais faire une de mes propres idées parce que je vous ai pas averti juste avant. On va faire, donc pour ce premier épisode, on va faire un avion, mais pas n'importe lequel. On va faire une machine qui a été construite seulement deux fois dans le monde. Son premier vol s'est passé le 8 avril 1930, il est polonais. Je parle bien sûr du Bartel BM6. Et là vous allez dire, mais ouais, truc ça, mais comment ça se fait que tu connais ça? Eh bah c'est ma culture. Donc pourquoi cet avion? Parce que j'adore son design, on va dire, j'adore la forme qu'il a. De toute façon je vous mettrai une petite image, attendez, genre ici. Genre je vous mettrai une image ici de à quoi il ressemble. Et puis bah c'est parti. Waouh. Ben, je pense qu'on va se mettre ici, c'est bien plat, j'aime bien les petits cailloux, je les casserai bien. Ok, on va commencer par faire la base. On pose ça. En bois. Avant c'était en... Bon, t'es pas en bois je crois, mais on va le faire en bois. Sachant qu'il faut qu'il y ait un siège. Ah oui, par contre il n'y a qu'une place à l'intérieur. Ça j'ai oublié de le dire. Alors on va faire ça. Attends, what? Qu'est-ce qu'il faut que j'en... Ah, faut que ça soit symétrique. Parce que bien, il y aura des hélices là. Mais il faut que ça soit symétrique, genre. Mieux faut qu'il soit là. Ou il va falloir que j'en ajoute genre là. Ça le fasse, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. What? Voilà le nez de la. Ah non, mais c'est pas droit. Oh, je veux que ça soit droit, bordel. Pourquoi fallait que ça fasse des trucs pas droits aussi? Putain, j'ai horreur quand c'est pas symétrique, c'est ouf. Oh, et puis merde, on regarde comme ça. C'est bon. Ça me saoule, hein. Notre avion prend forme. Le Bartel BM6 prend de forme. Oh, j'ai un bouton, sa mère. Connard de moustique. Putain, j'aime pas quand c'est pas symétrique comme ça. Mais j'ai pas le choix, c'est ça le problème. Ça a de la gueule, ouais. Ça a trop de la gueule. Ah. Oh merde. Waouh, ça claque. Je ne pensais pas faire un truc aussi beau. Moi je trouve que ça manque de longueur, mais on s'en fout, ça passe. Maintenant on s'attaque au truc que je voulais plus le faire. Truc plane. Des trucs plans bizarres là. Alors si je ne m'abuse, ça part de là. Pas faire trop grand. Bah voilà. Ouh, voilà. Bon. Je vais regarder la photo. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah merde. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Parfait. Ah ouais. Dégage. Ouh. Eh, ça avance, hein. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait un truc de croisé. Genre ça se croise à un moment précis du truc.
Voilà. Waouh. Ça a de la putain de gueule. Waouh. C'est tellement beau. On va dire que ça passe. Je l'ai terminé, on va dire. Maintenant, on va passer à la couleur. Ouais. Ah, c'est trop marrant. Bon, j'ai coloré tout ça en marron, mais en fait le problème c'est que la photo elle est en noir et blanc. Donc je sais pas si c'est marron ou non, mais il y a des endroits où c'est blanc. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais mettre en blanc la, le devant. Voilà, j'espère que c'est blanc. Trop stylé, bordel de merde. On va mettre donc hop. Il est temps maintenant. Faut au moins qu'il avance. C'est tout ce que je demande. C'est pas une petite place où je peux placer le moteur. Oh nice. Il y a un petit peu de place là. Bon je vais voir. Ça ici. Le moteur, on va mettre ça genre là. Alors le sens, ça c'est bon. Celui-là qui est pas bon. Voilà. Nice. Voilà, je l'ai baisé l'engin. Ça fond. Wouh. Ouais, c'est parti. Ouh. Ça manque de puissance à l'arrière. Voilà, il manque de jus. Oh là là, magnifique! Ouais! Oh, trop bien! Trop bien! Oh, j'en ai éternu de joie quoi! Alors maintenant, on va comparer les deux photos. Eh, bah moi je dis. Moi je dis, ça a de la gueule. Comparé à la photo, là, je l'ai sous les yeux, ça a de la gueule.
Bon, au niveau de l'avant, c'est pas trop ça. Mais ça a de la gueule. Non, faut qu'il décolle. C'est parti. Allez, c'est parti. Oh, magnifique! Ça marche! Oh, ça marche. Ouais. Avec un peu de maîtrise, ça passe. Si on avance. Ouais. Allez, t'écrases pas, t'écrases pas! Ah non! Non! Mon invention. Bon, on va se laisser ici. C'est pas mal. Hein, faut pas se le cacher. J'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire dans la description. What, ça veut rien dire? Alors, laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Si jamais tu veux que je refasse une vidéo sur Scrap Mécanique, y a pas de problème. Si même tu veux me proposer un objet, pareil, dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, c'était After, Bobo Grignan. Ciao! Putain, si un jour on m'avait dit que je ferais un avion comme ça dans Scrap Mécanique, je croirais pas du tout.